analysons la situation ensemble. Il roule tranquillement et oh, il vient de griller le feu rouge. Alors avant de l'envoyer en prison, essayons de comprendre pourquoi il a fait ça. Le gars a l'air d'être plein de sueur. Hein, il nous indique quelque chose derrière lui. Est-ce que ça serait pas sa femme derrière? On va regarder de plus près. Oh, elle est enceinte! Il faut se dépêcher! Bon, on a trouvé pourquoi il était pressé. Maintenant, il faut juger si on lui donne de l'argent, si on l'envoie en prison, si on le condamne à faire des travaux en extérieur, ou bien on le laisse libre. Oh, mais sa femme est enceinte, ça fait 9 mois qu'ils attendent un bébé! Ce sont de futurs parents qui méritent clairement... La prison, tu n'as pas grillé le feu rouge, c'est interdit. Ah mince, bah apparemment, on n'a pas pris la bonne décision. C'est vrai que l'enfermer en prison, c'était un peu extrême. Bon bah tant pis, hein. Bon bah en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur Be The Judge et on va devoir juger tout un tas de situations similaires à celles qu'on vient de voir. Alors, pourquoi le protestant vient de mettre ça sur le président? Ok, on va essayer de comprendre ses intentions. Il a une photo dans son sac, qu'est-ce que c'est? Oh! Ah oui, d'accord. Le président fait de la déforestation. Bon, bah même si les intentions du petit bonhomme sont bonnes, il veut préserver l'environnement, eh bien, il n'a pas à faire ça au président. Donc, ça sera la prison pour toi, mon pote. Ah mince, apparemment, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ok, Redkill, concentre-toi. Arrête de tous les envoyer en prison. Les prisons vont être pleines à cause de toi. Allez, situation suivante. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Non, il a coupé. Oh oh. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça, le type? On va regarder sur lui s'il a pas quelque chose. Attendez, oh là là, il y a un truc ici là. Au niveau de ses jambes, qu'est-ce que c'est? Non, il y a rien. Ici au niveau de sa tête, il y a rien. Pourquoi a-t-il fait ça? Mais oui, c'est du poison, il a bien fait. Il l'a sauvé. Donc soit on lui donne la Légion d'honneur, soit on le condamne à faire des travaux, ou bien on lui offre des vacances à Hawaï, ou alors on l'interroge. Bah il vient de sauver quelqu'un, alors je vais lui donner la Légion d'honneur. Tiens, c'est pour toi. Yes, le jury m'a dit que j'ai fait 20 sur 20. Donc, quatrième situation. Pourquoi a-t-il piqué la monnaie? Ah oui, effectivement. Oh! Ah merde! Il voulait piquer ça à sa mère. Enfin, le costume, c'est plus celui du père, mais c'est sa mère qui l'a chopé. Alors pourquoi t'as fait ça? Oh, si c'est pour s'acheter des jeux vidéo ou un téléphone pour regarder les vidéos de Redkill, moi j'accepte, t'inquiète. Alors attends, on va cliquer sur le parapluie, non y'a rien, dans sa main y'a rien. Ah, mais où est-ce qu'il faut cliquer? Dans ses... Oh, ah, qu'est-ce que c'est? Ah, mais il a des chaussures pourries, tout le monde se fout de sa gueule. Non mais quel genre de parent laisse des chaussures comme ça à son enfant? Alors que le père, il a un beau costard. Bon, il faut lui acheter des chaussures, hein. Oh, le jury dit que une fois tu as volé, tu restes un voleur. C'est pas forcément vrai. Des fois, quand t'as besoin de te nourrir... Ah ouais, mais là, c'est pas pour se nourrir, là. Là, c'est parce qu'il pue des pieds, machin. Donc, soit on lui dit d'aller vendre de la limonade pour gagner un petit peu de thunes et s'acheter enfin des chaussures, soit on l'interdit d'aller sur le PC. Non, il faut qu'il puisse regarder les vidéos de Redkill, quand même, c'est important. Ou alors, on lui dit d'aller tondre la pelouse. Ouais, chouchou, vas-y, va tondre la pelouse et je t'achèterai des chaussures. Oui, c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire. Yes. Bon, en tout cas, ce jeu est super sympa et juste avant de continuer, je vous demande à tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne et de mettre votre plus grand pouce bleu. Et c'est parti, situation suivante et... Les extraterrestres, ils ont fait une abduction du bonhomme. Haha, on s'en fout en vrai. Bon allez, essayons de comprendre pourquoi ils ont fait ça. On va analyser le rappeur. Parce qu'à mon avis, il a tellement de thunes avec tous ses bijoux. Non, même pas, on va y arriver. Oh, ok, on peut aller peut-être voir dans la soucoupe. Ah non, d'accord. Ah ouais. C'est lui. Il a fait des graffitis, le rappeur. C'est pour ça qu'il s'est fait victime. Bah ouais, logique, moi je comprends les extraterrestres. Faut pas les embêter, eux. Donc soit on met la soucoupe en prison, soit on met une contravention à la soucoupe, ou soit on les condamne à aller travailler à la ferme. Bah moi, c'est plutôt le rappeur que j'aurais condamné, hein. Bon allez, on va leur mettre une simple contravention. C'est vrai que de base, ils avaient pas à rester là. Ils avaient pas à stationner sur cette place. C'est fait pour les voitures, quoi. C'est comme les motards qui piquent les places des automobilistes, c'est pareil. Allez, cas numéro 6. Ok, on est sur un mariage. Oh, il vient de faire tomber le gâteau de la mariée. Bon, essayons de comprendre. Ah mais non, mais c'est qu'il y a un chat là-haut. Qu'est-ce qu'il fout, le chat, sérieux? Attendez, on va faire péter les ballons. Oh, c'était pour sauver le chat. Oh, mais là, on est d'accord qu'on va le laisser tranquille, hein. Ou alors, soit il se prend une méga baffe de la mariée, soit on lui donne de la thune, ou soit on le met en prison. Non, allez, tiens. T'as sauvé un chat, mon gars. C'est pour toi, un petit peu de thune. Ouais, les abonnés, vous êtes d'accord? Dites-moi dans les commentaires si vous auriez choisi exactement comme moi. Mais là, on est d'accord, les chats, faut les sauver. Alors, ensuite... Oh, oh, il va se... Oh, non, mais elle est complètement tarée, elle. Oh, shit. Oh, il s'est fait défoncer. Oh, elle a dit, je me suis juste défendu. Comment ça, tu t'es défendu? Tu l'as tué, le mec? Bon, bah, essayez de comprendre. Alors, attendez, on va cliquer sur elle. Non, y'a rien. La caméra, peut-être a-t-elle vu quelque chose? Oh, ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Bon, moi, je comprends, hein. Je comprends, je comprends. Alors, soit on la met sur les rails à son tour, soit on la met en prison, soit on lui donne la liberté. Moi, je suis d'accord. Liberté! Elle a failli se faire tuer par un couteau. Allez, hop. Perfect. Yes, on a eu raison. Cas numéro 8. What the fuck? C'est quoi ça?
C'est en train de partir en vrille, ce truc. Bon, bah, maintenant, il va falloir juger ça. Analysons, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Oh, oh, putain, il avait prévu de faire exploser l'avion. Bien joué, l'hôtesse. Bon, bah, du coup, on la condamne à rester sur le nez de l'avion comme ça, on la met en prison, ou alors... Liberté, évidemment, évidemment. Allez, analysons la situation suivante. Pourquoi... Oh, pourquoi ils l'ont fait tomber? Pourquoi ces élèves ingrats ont-ils fait tomber leur professeur? Je sais pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Il y a rien dans le livre. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Oh, mais c'était une blague! Mais vous étiez pas obligé de le défoncer, votre prof! Bon, ok, allez. Alors, est-ce qu'on leur donne un F à leurs examens? Non, non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on les éjecte de l'école? Ou est-ce qu'on leur fait peur dans la forêt? Ouais, non, non, on les éjecte de l'école, clairement. Ok, c'était plutôt juste, pas mal. Oh, pourquoi il y a une petite roue, là? Ah merde, y a pas de pub dispo. Niveau numéro 10, hein? Ah, ils sont tous les trois dans l'ascenseur, est-ce qu'ils sortent? Non, ils sortent pas, qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors attendez, on va analyser ce que la dame a fait, elle doit avoir un pouvoir. Quoi? Elle vient de larguer une caisse sur les deux protagonistes. Bon, bah est-ce qu'on lui donne de la thune pour la performance? Est-ce qu'on l'envoie en prison? Non, peut-être pas quand même. Est-ce qu'on l'enferme dans un rouleau qui va lui permettre de ne plus péter sur les autres? Ou est-ce qu'on lui donne une sorte de cachet là pour éviter de péter? Non, bah, attendez, moi je lui donne de la thune pour la performance. Oh, apparemment c'est pas ce qu'il fallait faire, évidemment. Mais bon, c'était quand même un pé de fou. Alors, cas numéro 11, le sniper. Alors, pourquoi est-ce qu'il va tirer sur la femme? Ah, je sais pas, mais il y a quelqu'un derrière la femme, non? Mais non, attendez, il veut essayer de tirer sur une personne qui est derrière la... Attendez, qu'est-ce qui va se passer là? Oh, il a pas encore tiré. Analysons la situation. Alors, moi, derrière, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il faut pas cliquer là? Est-ce qu'il faut cliquer? Où est-ce qu'il faut cliquer? Ah, il faut bouger. Mais oui! Il y a le voleur derrière! Vas-y, tire! Bien joué! Allez, ça passe au tribunal. Alors, est-ce qu'il a un rancard avec la dame? Est-ce qu'on lui casse son sniper? Ou est-ce qu'on lui donne une nouvelle lunette encore meilleure? Oh, franchement, il a géré, on va lui donner encore une meilleure lunette pour les meilleurs, pour les prochains tirs. Cas numéro 12, irrigation. Oh, il est en train de pisser dans le pot, machin. Pourquoi il fait ça? Pourquoi a-t-il fait ça? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Oh, c'est le daron, mais quel est le lien? D'accord. Ok, alors, j'ai pas trop compris la situation, mais on va la juger, les amis. Soit il est condamné à aller faire pousser des plantes, soit on le fait laver son père, ou soit on le condamne à aller dans la forêt. Ah, ben là, t'as tué une plante, alors tu vas aller directement en faire revivre. Oh shit! Qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors, pourquoi a-t-elle tiré? Je l'ai tué parce qu'il abusait de moi. Ben allez, on va aller vérifier ça dans la caméra. Ah oui, effectivement! Ah oui! Ah oui! Bon alors, quel choix s'offre à nous? Est-ce qu'on l'envoie dans un hôpital psychiatrique? Est-ce qu'on la libère de prison ou est-ce qu'on l'envoie en prison? Allez, on va la libérer en prison. C'est vrai que le mec a failli la tuer. Ah mince, apparemment, c'est pas ce qu'il fallait faire. Fallait l'envoyer dans un hôpital psychiatrique, je pense. Bon bah tant pis, hein. Cas numéro 14. Attention, y a une pomme qui va te tomber sur la tête, mon pote. Eh ouais, c'est la loi de la gravité, ça. Ah non. Pourquoi l'a-t-il dérangé? Bah c'est pour faire tomber une pomme. Non même pas, alors attendez. Ah voilà, c'est celle-là. Regarde mec, elle est tombée la pomme. C'est un truc de fou, non? C'est la loi de la gravité. Oui, t'as une nouvelle idée. Et voilà, c'est bon. Ok, alors là du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'il faut l'envoyer au tableau, la faire lire son livre ou manger une pomme d'amour? Une petite pomme d'amour quand même. Elle vient de lui faire découvrir la loi de la gravité. Alors pourquoi? Eh bien le faucheur a tué la personne. Oh fuck. Il l'a démantelé. Alors du coup, pourquoi a-t-il fait ça? Ah, apparemment, il y a une situation avec la voiture derrière. Alors, attendez, on va analyser ça. Oh, attendez. Oh, je lui ai remis son corps. What? Ah, d'accord, ça nous permet d'analyser. Ah oui! Hey, t'as pas le droit de faire ça, mec! Pourquoi t'as fait ça? Bon, bah, du coup, le faucheur, on lui offre une nouvelle lame ou pas? Ah, je sais pas, j'hésite, hein. Non, on peut pas. Attendez, il lui a juste lancé un truc, il a peut-être pas fait exprès. Bon, bah, allez, on va lui enlever sa combinaison. Comme ça, il restera un petit squelette comme ça. Ok, c'est faire, c'est juste, c'est bon, c'est pas mal. Ok, le sauveteur. Oh, il est passé derrière sans le sauver. Pourquoi il ne l'a pas sauvé? Essayons de comprendre cela. Alors, attendez, on va essayer de regarder. Ah, on peut bouger. Ah, d'accord! Parce qu'il y a un requin! Je comprends son choix. Ah oui, effectivement, c'est un petit peu plus pressant. Bon, est-ce qu'on le condamne à aller ramasser les ordures sur la plage? Est-ce qu'on lui donne une petite médaille avec les requins qui lui donnent des petits applaudissements? Ou alors on la met au milieu des requins? Non, non, quand même. Petite médaille. Quoi? Ah mince, apparemment, c'était pas la bonne décision. Bon, bah tant pis, hein. Salut les gars. Situation 17. Pourquoi il est tout nu? Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de sortir. Oh, il est sorti de la douche alors qu'une petite statue est tombée. La statue de qui? Est-ce que c'est sa statue à lui? Ah oui, il faut la rétablir. Ah ouais, c'est qu'il a entendu la statue tomber, non? Ah oui, merde. Ah non, non, c'est juste un tremblement de terre. Ah bah, je comprends, il faut partir de chez soi là. Sinon, faut se mettre sous la table quoi. Alors, soit on le fout en prison à poil, soit on le libère de prison à poil, soit on lui donne la thune. Allez, des petites indemnités pour la catastrophe naturelle qui vient d'arriver. Alors, pourquoi a-t-il enlevé une rose? Bah peut-être pour l'offrir à sa dame. Ah mais regardez, Happy Mother Day, c'est pour sa mère.
C'est pour sa mère. Allez, on lui autorise une petite fleur. Moi, je ne l'enverrai pas en prison pour cela. Par contre, il doit en replanter une, ou alors faire ses devoirs. Oh non, non, c'est trop méchant de faire ses devoirs. C'est beaucoup trop méchant comme punition. On va lui demander de replanter une petite rose. Perfect. Cas numéro 19. Oh! Oui, effectivement, là. Est-ce qu'elle était sur son téléphone? Attendez, on va regarder. Non, non, non. Est-ce que dans son sac... Ah, elle est en train de se mettre du rouge à lèvres, non? Oh, attendez. Oui, elle est en train de mettre du rouge à lèvres. Bon, bah là, c'est... soit on lui enlève son permis de conduire, ou soit on l'envoie en prison. Ah, là, j'hésite, franchement, j'hésite. Est-ce que ça vaut la prison? Est-ce qu'il est mort, le gars? S'il est mort, on l'envoie en prison. On l'envoie en prison. On se maquille pas sur la route. C'est pas fait pour. Alors, situation suivante. Ah, d'accord. Pourquoi ils viennent le frapper, là, comme ça, là? Ça, c'est cadeau. Bah, écoutez, on va regarder ça. Ah, intéressant. C'était pour le sauver des stalactites. Bon, bah, on va lui donner de la thune, hein, pour ce qu'il vient de faire. Ah, merde, c'était pas ce qu'il fallait faire. Ah, je suis trop généreux, moi, aujourd'hui, hein. Alors, dans la librairie... What? Calme-toi, mec, qu'est-ce qu'il vole? C'est un ouf, lui. Alors, pourquoi il l'a fait tomber? Hein, qu'est-ce qu'il y a sur le livre? Oh, mais c'est une sorcière! Elle est en train de faire de la chimie! Bon bah écoute, t'as bien fait mon pote, on va te donner un petit peu de thune, hein, écoute. Tiens, ça c'est cadeau. Alors ici, d'accord, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? $150 pour ce repas dégueulasse? Pourquoi ne veut-elle pas payer? Bah écoutez, je sais pas. Ah ouais, d'accord, il y a un insecte! Il y a un insecte sur son foie gras! Soit on lui met plein d'abeilles sur la tête, soit on lui donne de la thune, ou soit on lui donne la possibilité de revenir manger, ouais ouais. Ah ouais, elle pourra revenir manger plus tard. Alors pourquoi l'a-t-elle poussée dans la... Ah ouais, d'accord. Pourquoi l'a-t-elle poussée dans la mer? Y a pas une caméra de surveillance pour comprendre, voilà. Oh, attendez, faut analyser, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il avait un couteau sous son chapeau. Bon bah écoutez, malheureusement je vais être contraint de l'envoyer en prison parce que depuis tout à l'heure... Ah mais non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Bon bah c'est pas ce qu'il fallait faire, hein. Alors pourquoi l'a-t-elle étranglée? L'étrangler avec quoi? Oh, le coussin! Pourquoi l'a-t-elle étouffée sur le coussin? Bah je sais pas, attendez, on va regarder dans sa tête, y a rien, y a un verre d'eau là. Oh, un verre d'eau. Quoi? Oh, what? Quoi? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je viens de faire là? Oh, elle est en train de rêver qu'il est en train de se taper une autre fille! Ah, mais je comprends, hein! Alors, soit on laisse passer, il redevient amoureux, soit elle va voir un psy, ou soit elle est célibataire! Est-ce qu'il va la quitter juste pour l'avoir et tout? Mais bien sûr! Attends, elle a failli mourir dans son sommeil! Mais non, c'est la mauvaise décision! Mais quitte-la! Elle a failli te tuer, mec! Bon, bah, le jury veut pas, hein, apparemment. Alors, pourquoi le cheval a frappé l'autre cheval? Bah, ça, j'en sais rien. Oh, ce kick! Bah, je sais pas, attendez, il y a des bonbons là. Orson Lee, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est que c'était pas un cheval en fait, non? Attendez, on va lui mettre ce fer à cheval sur la tête, non? Sur l'eau, non? Ah, d'accord. C'était un zèbre! On a dit que les chevaux ici. Bon, bah, du coup, on lui donne une petite piqûre là. On lui donne une médaille, c'est bon. Je pense qu'ils sont assez piqués. Quoi, c'est pas ce qu'il fallait faire? Niveau 26. Pourquoi la... Oh, pourquoi il a essayé de le tuer? Alors ça, j'en sais rien, mais c'est un méchant indien, ça, hein. Pourquoi a-t-il essayé de faire ça? Qu'est-ce qu'il a sous son chapeau? Qu'est-ce qu'il a derrière lui? Oh, c'est le serpent! C'est le serpent qu'il a essayé d'avoir! Vas-y, bouge de là, j'arrive! Oh putain! Excuse-moi, c'était pour le serpent. Bon bah du coup, est-ce qu'on lui laisse adopter le serpent, lui donne de la thune, ou bien on lui permet d'aller au bar? Allez, t'as le droit d'aller au bar tranquillement. Ok, c'était une décision juste, apparemment. Le pont cassé. Oh, qui c'est qui a cassé le pont? Je ne sais pas. Attendez, il va... Oh, il ne veut pas que quelqu'un le suive. Attendez, il va arriver l'autre. Non, il arrive pas. Ah non, non, il arrive pas. Alors attendez, est-ce qu'on peut voir? Ah, c'est moi qui l'ai cassé, je suis désolé. Ah mais non, c'est bon. Il a eu raison. Bon, du coup, allez, t'as le droit d'aller tranquillement prendre des vacances au calme. C'était la bonne décision. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de bonne décision, hein. Alors, l'homme avec le dromadaire. Oh, mais pourquoi? Pourquoi il a enlevé l'eau? Il devait y avoir quelque chose dans l'eau, c'est obligé, non? Alors attendez. Oh, je comprends pas. What? Mais ça vibre là. C'est quoi ce délire? Pourquoi il a mangé un téléphone? Bon bah on va lui offrir un nouveau téléphone, hein. Tu peux, hein, tu l'as bouffé. Ah, c'était pas la bonne décision, hein. Pourquoi l'a-t-elle frappé? Oh, oh mince, ça va mec? Ça va? Alors qu'est-ce qu'il aurait fait ce type là? Y a pas de caméra de surveillance là, on est western. Oh, il a des esclaves. Ok, on est en 2021 mec, c'est interdit. On le condamne à faire des travaux en prison. Ah merde, c'était pas la bonne décision, merde. Quoi, on aurait dû le faire esclave à son tour ou quoi? Ah non, on aurait dû faire ça. Pourquoi le pick-up défonce la voiture devant? Alors là, j'en sais rien, peut-être parce que c'était un pot de yaourt. Hein, je sais pas, on va analyser ça ensemble. Ah ouais, il y a le train qui arrive, je m'en doutais. Bah ouais, évidemment. Bon bah là, il vient de se sauver la vie, hein. Bon, par contre, il va payer pour ce qu'il a fait à la voiture de devant, quand même. C'est un minimum. Il avait qu'à pas être sur les rails. Pourquoi a-t-il laissé les chats sortir? Oui, effectivement, ils sortent tous, allez. Liberté pour les chats. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Oh, mais oui.
Il a eu raison. Ici, ils sont méchants avec les chats. Bon, bah, qu'est-ce qu'on lui fait à lui, là? Bah, s'il veut aider les chats, on va le faire en sorte qu'il donne à manger le chat, ça sera déjà très bien. Alors, pourquoi a-t-il cassé la fenêtre, hein? Est-ce qu'il voulait voler dans la maison? Il y a un pied de biche juste là, une pierre là, un stylo. Alors, attendez, on va tout envoyer. Oh, que c'est? Oh, Lily, I love you. Il voulait envoyer un mot à sa chérie. Il a eu raison. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on fait... Oh, est-ce qu'il se prend une méga tarte par le mec de la femme? Vas-y, on fait ça. Hop, directement. Il l'a mérité. Ouais, c'est juste. Ouais, je sais que c'est juste. Alors, pourquoi il l'a poussé à travers le balcon? Ah, mais il s'est poussé lui aussi, putain. Ah, c'était pour la sauver. Il y avait une fuite de gaz, ça allait péter. Bon, bah, j'espère qu'ils vont bien, quoi. Alors, je sais pas, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, il y a le feu, là. Oh, attention les tasselles, ça va péter! Oh, pow! Oh, c'était à moi de tout faire péter, génial. Alors là, par contre, situation de compliquée. Est-ce que ça aurait suffi s'ils avaient pris des masques? Ah, je sais pas, ou alors est-ce qu'on l'envoie en prison pour les avoir tués tous les deux? Bon, allez, vas-y, des petits masques, ça l'aurait fait. Oui, c'est ça qu'il fallait faire. Alors, pourquoi il a fait du graffiti sur la voiture? Peut-être que c'est un tagueur professionnel? Je sais pas, alors attendez, on va voir. Peut-être que dans la poubelle, il y a quelque chose. Non, là-dessus. Oh. Ah, ben ouais, il allait pas être là. C'est un parking handicapé. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, je sais pas, moi, je dirais que. Bon, on lui donne de la thune. Allez, un petit cadeau. Hop, c'est ce qu'il fallait faire. Yes! Niveau 35. Pourquoi a-t-il défoncé le drone livreur? Oh, shit! Oh, c'est qu'il voulait récupérer le colis, peut-être. Il y a quelque chose dedans, non? Tiens, reprends, tiens, prends-le. Prends. Non, il veut pas. Alors, pourquoi l'a-t-il shooté? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as fait, mec? Alors, attendez. On peut pas l'ouvrir, ce truc-là? Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, ah, c'est que ça... Il était en train de regarder le match, il était en train de défoncer son antenne. Ouais, je comprends, ouais. Bon, soit on le libère de prison, soit on le fait choper par des drones. Oh, la vengeance des drones. Je veux la vengeance des drones, moi. Ah, c'est ce qu'il fallait faire. On touche pas au drone livreur. Bon, bah écoutez, les amours, on a été jusqu'au niveau 35. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez une suite, n'hésitez pas. Si vous mettez 15 000 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai la suite. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Salut à tous, c'était Red Kill. Bye tout le monde.